Et bonjour à tous, c'est Kimer9 pour cette nouvelle vidéo de Forza Horizon 2. Toujours sur Xbox One, hein. Après vous me direz, ouais c'est normal Kimi, hein, Forza Horizon 2 est exclusivement sur Xbox One. Et ben, bah oui. Oui, oui. Tout à fait. Vous avez pas tort les gars, vous avez pas tort. Mais j'ai plusieurs infos à propos de... Ouh, on va pas regarder l'avant de l'Aston Martin. J'ai plusieurs petites infos. Pour commencer, l'organisation de ce let's play. Alors, il y a énormément. Alors, attendez, laissez-moi vite fait regarder ça. Je crois que c'est ici. Voilà. Alors, là, par exemple, nous sommes à Nice. Il y a énormément de championnats, les gens. Ce jeu est juste géant. Géant. Par exemple, on a fait le championnat de Nice avec avec la Super GT. Et on a aussi les championnats juste avec les GT. Ça fait beaucoup de championnats et donc beaucoup de vidéos. Et sur YouTube, on ne va pas tout faire, les gens. Alors moi, j'en ai parlé avec Blue, j'en ai aussi parlé après avec Mimi, hein, car je vous rappelle que Mimi est l'actionnaire majoritaire de la chaîne. Donc, on a décidé sur YouTube... que l'on allait faire en fait les championnats de toutes les villes avec chacune, enfin toutes les types de voitures en fait, enfin comment dire, de certains types de voitures. Alors on a décidé qu'on allait prendre les supercars. Alors dans les supercars, on va prendre les supercars et ensuite les hypercars, parce que ça risque d'être assez fun les hypercars, les rétros, enfin le reste vous verrez par la suite. Ensuite, moi j'étais tenté par les hot hatch là, ou les hatchbacks comme je préfère les appeler plutôt. Mais non. Peut-être, franchement, après les super GT, supercar, hypercar, je pense qu'on pourrait peut-être s'orienter sur du classic Mulls. Parce que c'est classe, hein, tout simplement. C'est plutôt... Enfin, j'aime bien. Après, c'est à Mimi de décider. Hein. C'est à Mimi de décider. On verra ce qu'elle nous dira. Mais en tout cas, soyez-en certains, on va faire tous les championnats Super GT. Ensuite, Supercar, avec les modernes Supercar et les Hypercar Championship, là, machin, là. Et tout le reste, les gens... tout le reste, parce qu'il y en a, hein. Il y en a, regardez-moi tout ça. Il y a les rétros, les machins trucs, muche trucs, les sports machin truc, les super saloons truc, hein. Et enfin, tout ça là, tout le reste, à voir si on le fait en vidéo, hein. On est susceptible de rajouter des voitures. Tout le reste, on le fera en live. Parce que je vais relancer la chaîne Twitch. Alors, pour ceux qui regardaient mes lives, les très rares, hein, malheureusement. Le vendredi, ou même parfois le week-end, hein, quand l'envie me prend, je lançais un live. Mais en ce moment, j'avais arrêté, parce que je voulais commencer à faire des lives sur la Xbox, mais j'avais des soucis avec mes drivers, avec ce saleté de boîtier de merde, etc., etc. Mais maintenant, ça y est, j'ai tout résolu, donc je vais pouvoir faire des bons lives sur la Xbox One, sur Forza. Donc voilà, ça c'est l'info. Donc en gros... Quand Let's Play Need for Speed sera terminé, on aura le Let's Play donc le lundi, normal, on aura du Forza. Le mercredi, il n'y aura rien. Si, le mercredi, vous aurez les rediffusions des lives et le vendredi, eh ben, du Forza. Voilà, c'est comme ça que ça se passera après Need for Speed. Ensuite, encore plein d'infos. C'est un truc de feu. Ah oui, au final, j'avais parlé, je crois que c'est sur Need for Speed, le souci, ou sur Forza, que j'avais des problèmes sur ma Clio. C'est résolu. J'ai changé de voiture. Donc voilà. Et ensuite, un autre truc sympathique. Qu'est-ce que... On va prendre la Ferrari. Il faut savoir... Vous avez sûrement remarqué sur la chaîne, j'essaye d'améliorer un maximum le let's play. Ça a commencé avec Need for Speed, où je commençais à faire parfois des intros. Et là, vous l'avez peut-être vu pour la dernière vidéo de Forza, une petite intro avec les voitures et tout. Je trouve ça génial à faire.
Et puis ça rajoute un petit truc. J'ai commencé à mettre des musiques en fond et tout. Mais je vous donne jamais les titres. Ouais. Non, moi, je suis comme ça. Moi, je garde les titres pour moi. Tu vois, je suis tellement fier que ouais, je les garde. Mais en fait, je me suis dit. Parce que je regarde. Enfin, je suis souvent sur SoundCloud et des trucs comme ça. Et moi, je mets. Avec toutes les musiques style tsunami à la con. Vous savez, les musiques chiantes là où t'as la musique qui monte, qui monte, qui monte. Tu dis, oh putain, ça va être juste énorme. Et là, t'as le mec, tu sais pas ce qu'il fait. Il fait planter ses platines. Il y a trois notes qui sortent, c'est dégueulasse. Et alors, t'as tous les mecs qui se mettent à sauter, tu sais. Ouah, c'est magnifique. Mais non, mais les mecs, il a renversé du Coca-Cola sur sa platine. Enfin, je sais pas, les gars, mais rendez-vous compte, c'est de la merde. C'est un peu la mode tsunami. Je sais pas si vous connaissez cette musique. Y en a qui ont surkiffé, moi j'ai détesté. Mais enfin, après c'est mes goûts. Et donc, tout simplement. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ta caisse aujourd'hui? Voilà. Donc tout simplement, ce que je ferai, c'est qu'il y aura une course dans mes futurs let's play, dans ce let's play de Forza, on va lancer ça ici. Il y aura une course où quand je trouverai une musique vraiment géniale. Sur SoundCloud, une musique gratuite. Je vous mettrai même le lien de téléchargement dans la description. Vous aurez la musique, vous aurez le titre pour une musique, hein, les gars. Parce que après, si je commence à faire ça dans le montage, déjà que en mettant des musiques dans les dans mes vidéos, c'est extrêmement long. En plus, le montage son, les gens, c'est vous pouvez pas imaginer. Le rendu est super classe, mais le montage, qu'est-ce qu'il est long. Donc une musique où vous aurez le nom et tout. Franchement, vous pouvez pas manquer le nom. Hein. Ça sera hyper bien foutu. Je vais essayer de le faire sur cet épisode. En plus, j'ai trouvé une musique de juste magnifique. Hein. Magnifique. Bon, par contre, c'est de l'électro. Alors, je sais qu'il y en a, ils aiment pas trop l'électro. Vous êtes rap. Ou rap, pop, n'importe quoi. Hein. Non. Ça sera de l'électro. Ah, bah, désolé, hein, les gars. Faut vivre avec son temps. Oh. Sinon. Dans Forza, rappelez-vous, on m'a dit dans le dernier épisode, ouais, y'a machin, truc, muche, truc, là, il faut que t'ailles là-bas et tout, pop, pop, pop. Alors on va y aller. Pop, 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 pop. Ah oui, on a toujours pas eu les conseils de Blue, ce qui est logique, puisqu'en réalité, cet épisode est tourné en avance. Enfin, mes épisodes sont tournés en avance, hein. En tous les cas, ceux qui me suivent sur Twitter l'auront remarqué, par rapport au spoil, le spoil ultime. Comment vous dire que à l'heure où je tourne cet épisode, l'épisode 5 n'est pas encore sorti, mais j'ai déjà mis la miniature sur Twitter. C'est le spoil ultime, Twitter. Le spoil du ultime. Enfin. Oh, et puis j'adore. Surtout quand je balance des trailers, en fait, des grosses vidéos. Par exemple, de l'épisode 5, j'avais sorti un. Enfin, j'ai sorti. Enfin, j'aurais sorti. Enfin. C'est difficile là, de situer dans le temps. Donc, j'ai sorti un trailer de l'épisode 5. Je l'ai flouté, t'as la musique et tout. Mais tu vois rien, tout est flouté. Le troll de l'ultime, qu'est-ce que je me marre sur Twitter, les gens. Je vous jure, qu'est-ce que je me marre. Mais enfin. Vous êtes arrivé à destination. Oui, alors on va parler de la Ferrari qui est dans un. Oh là 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 là, cette voiture est complètement magnifique. Même cabossée, elle reste magnifique. Oh, merci de me l'avoir réparé. Ça, j'aime bien. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, je vais bouger mon mic. Oh, fuck. Ah, oh, le clavier qui prend toute la place. Oh. Oh, fuck. Wow. Ok, éclate-toi. Attendez. Voilà. Fais attention à toi. Revenez-vous. Est-ce qu'ils vont sortir de nouvelles Evo? Cool. C'est ta première concentration? C'est le genre d'endroit où tu trouveras toujours une course à faire. T'appelles ça une concentration? J'adore y aller pour rencontrer des gens et parler voitures, mécanique, admirer les peintures, tout ça quoi. Oh, attends. Désolé, faut que j'y aille. Le devoir m'appelle. T'appelles ça une concentration? Pas, ici. On sait jamais qui on peut croiser. Allez, à plus. C'est le camionnette que je vois au loin? Oh, mais regardez-moi cet angle sur la Ferrari. Oh, mais... Elle est juste magnifique. Oh là 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 là. Bon. Ah, je peux choisir... Oh, j'adore les Z. Les Z sont juste... Oh bah tiens.
Ah oui, il y a un truc qui me dégoûte sur la GTR de Forza. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui peut bien te dégoûter sur la GTR de Forza? Oh, un Horus. Mais qu'est-ce qui te dégoûte, Kimi? Bah, attendez, les gars. What? Eh, hey, elle a changé la... Oh, elle est où? Oh, oh. Putain, y'a un mec qui s'est barré. Il s'est barré avec. Bon, ah bah, je peux plus. Je peux plus vous la montrer. Attendez. Attends, mais... Ah, la voilà. Voilà. Regardez le volant. Où il est situé. Ça y est, faut capter. Voilà ce qui me dérange. Tac tac tac. Elle est où ma Ferrari? Oh. Oh. Allez hop. Ce feu. Non. Oh. J'adore cette voiture. Oh là 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 là. Car porn quoi. Bah écoute, allez hop, commencez. C'est quoi, c'est en ligne, c'est pas en ligne? Non, j'ai fait X, donc c'est pas en ligne. Hey, on va organiser un tout nouveau tournoi sur Isola Tempesta. Ce sera plus extrême que tout ce qu'on a fait jusque-là, et il y aura de nouveaux types d'épreuves. Ça te dit? Comme tu as dû le remarquer, Isola Tempesta offre un sous-climat tropical propre à l'île. On affrontera des tempêtes comme celle-ci assez souvent au cours de la saison. Tu vas faire face à des défis différents de ceux que tu as rencontrés jusque-là. Si on ajoute à ça un terrain exigeant et accidenté, je pense que tu comprendras mieux pourquoi on est ici. Attends, c'est un gros placement de produit ton machin là. Oh les mecs ils sortent le trailer, ils sortent... Ouah c'est génial et tout. 20 euros. Très bien, il y a une chose à laquelle j'aimerais beaucoup que tu participes. Ramène-toi au port de Nice et n'oublie pas tes affaires de voyage. On se retrouve là-bas. Ok, ces mecs sont juste énormes. Et ouah c'est énorme et tout. Pouah pouah pouah, regarde-moi ça. Isola Tempesta, tac tac tac. 20 euros. 20 euros, comme ça. Ok. On va sur l'île. Attends, tu crois qu'il faut que je paye pour aller sur l'île? Pouah, 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 pouah. Sors-toi, sors-toi, j'ai pas d'adhérence, sors-toi. Dégage, dégage, touche pas ma Ferrari, touche pas ma Ferrari. Ok. Elle est énormissime. Elle est énormissime cette Ferrari. Elle est énormissime. Je vous interdis de la critiquer. Tous ceux qui la critiqueront ne seront que des jaloux, hein, tout simplement. Des mecs pour lesquels je n'ai que très peu de respect. Cette Ferrari est tout simplement magnifique. Pourquoi? Pourquoi? Déjà de 1, regardez là. Voilà, je pense que déjà c'est un argument de taille. Dégage! Saleté d'Aston! Donc voilà, hein, déjà cette Ferrari est magnifique. Et je vous rappelle que Jeremy Clarkson a conduit cette Ferrari. Et qu'il l'a surkiffé, cette Ferrari. Donc voilà. Comment tu vas sur le machin? Tournez à droite. Pop, 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 pop. D'accord. Régler la Ferrari. Note. Je suis arrivé à destination. Merci, Jarvis féminin. Il faut que je paye. Oh c'est génial. Oh c'est génial. Bon on va continuer le road trip les gens. Wouh. J'adore. Oh là. Oh là. Cette Ferrari. Franchement mon kiff ça serait de devenir tellement connu que Ferrari eux-mêmes. Ouais, dis donc, Kimi, on a entendu dire que t'aimais bien notre Ferrari. Ça te dirait de venir en Italie et de venir faire une petite vidéo dessus? Ah bah, je dis oui. Comment je dis oui? Mais tu peux même pas imaginer. J'essaye de me barrer avec la Ferrari, tu sais. Et peut-être même, tu sais, je me ramène avec une petite Ferrari FXK. Hop, 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 comme ça, direct. Je te la vole. Enfin, les mecs sont peut-être pas cons, ils te feront le plein de piles pour faire le tour du circuit.
Bon, après, il te retrouve, hein. Je vous rappelle que ces voitures, il y a une putain de puce GPS à l'intérieur. Alors, va la voler. Hein? Et si même tu arrives à faire 100 mètres avec? Disons qu'on te voit venir avec. On te voit venir. Bon, allez, c'est là? Pourquoi c'est là qu'on doit se retrouver? C'est pas possible, ça peut pas être là. Bon, j'imagine. On se retrouve dans le garage, c'est nouveau ça. Continuez. Bon, ah. On va se diriger vers la prochaine étape du road trip. What? Mais d'abord, tu dois choisir à quel championnat tu veux participer une fois là-bas. Ah mais non, hey. Voilà mes recommandations personnelles, mais n'hésite pas à tout consulter. Ils sont en train de piétiner l'organisation de mon let's play, ces bandes d'enfoirés. Afficher tous les championnats. Ok, alors... Oh. Oh. Voilà pour tout le monde ici. Fais ton choix. Personne ne contredit le Kimi. Voici parmi tes voitures, celles qui sont admissibles pour ce championnat. Merci. Si tu ne veux courir avec aucune de celles-ci, tu peux en acheter une nouvelle au salon auto. Oh oui, bien sûr, j'en ai acheté. Pendant la route jusqu'à Sisteron. Mais dépêche-toi, là, la vidéo, là, elle s'éternise, on n'a pas fait grand-chose. Ce championnat à Sisteron. Parfait, merci. Profite de la route pour t'habituer à la voiture. Non, mais enfin... Tu me sers à rien. Clairement. Storm Island. 20 euros. Oh, salut. C'est quoi comme... Tu cherches un peu de frisson? Tu aimes l'aventure? Il y a une route touristique droit devant. Essaie de me suivre. Ça risque de secouer un peu. Je commence à comprendre pourquoi elle m'a orienté sur des véhicules de type rallye. Bon. Oh le fou! Ah, ça va faire mal. Ça va piquer, Ferrari. Nous venons d'ajouter une nouvelle station de radio à vos présélections. Vous devriez tous pouvoir écouter Ninja Tune Radio maintenant. Ah ouais, mais non, pas de radio. Merci. Ça va piquer, Ferrari, la route. Hein. Je suis vraiment désolé. Je pensais pas qu'on allait rouler là-bas. Ah, je pensais pas. Wouhou ! À 400 mètres. Ça, c'est classe. Eh, il se défend le Jeep. Tournez à gauche. Il se défend. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Ah, j'ai pas mis le rembobinage. Oh le feu, j'ai pété le feu. Ce jeu est juste magnifique. Ce jeu est magnifique. Là, franchement, ici, là, c'est vraiment géant. Cette route est magnifique. Oh putain, y a plus de route. Ah, c'est pas fait pour. Ah là c'est bas. Oh, une semi-route. C'est là où il te faut une petite Subaru Impreza, vois-tu. Voilà. Une voiture qui domine hein, sur le rallye, on est d'accord. Putain, c'est hyper bien foutu. Oh là là, mais qu'est-ce que ça va donner sur Forza Horizon 3? Salut les gars. Ouais, c'est une super GT. Voilà, ouais. Qui vous double sur votre terrain? Pas trop déçu, j'espère. Comme le dirait Clarkson, power! Vas-y! Power! Oh putain! C'est bon, la maîtrise du Kimi! C'était quoi ces machins? Je suis en train de rouler sur quoi là?
Ok. On est d'accord. J'étais censé le faire avec un véhicule un peu comme eux. Oh, personne ne touche à ma Ferrari, on est d'accord. Merci. Hop, 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 tu calmes tes ardeurs. Merci. Salut. Bienvenue au championnat Super GT. Il y a vraiment des voitures de fou dans celui-là. Déjà deux Aston. Allez, choisis une course. J'ai vraiment hâte que ça commence. Ça marche. Surtout les mecs là qui sont en train de regarder cette vidéo et... qui pour l'instant a très mal commencé. Donc écoute, on va peut-être se faire un petit sprint s'il y a. Genre ça. Voilà. Toujours avec la Ferrari. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais non, mais je m'en fous. Hé, hey, quelques gars sont éclipsés de notre groupe. Ils parlaient d'une voiture de collection abandonnée à l'est de Sisteron. Ah bon? Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. À l'est? Attends, on va se la jouer carte au trésor. Voilà, c'est par là. Ok, là-bas, voiture abandonnée, les gars. Peut-être pour la prochaine vidéo. Doucement, doucement. Cette voiture, cette voiture. Mon kiff, ça serait de mettre un A derrière cette voiture. Voilà, ça c'est le but d'une vie, tu vois. Avoir une Ferrari et foutre un A à l'arrière. Même si je pense que Ferrari te laisse pas partir avec un A. Après, vous me direz, l'argent a le don de mettre tout le monde d'accord. Mais je pense que Ferrari te laisse pas partir avec un A. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Après, à se renseigner. Hein. Il me semble que pour avoir une Ferrari, il faut que tu aies un certain temps de conduite. Hein. C'est un truc comme ça, on m'en a déjà parlé, mais à vérifier. Alors sinon. T'es deg. Roule. Roule. Oh putain, roule. C'était parfait, juste parfait. Tu commences vraiment à faire parler de toi. Mmh.
Ouais, par contre, on va peut-être faire en sorte que la voiture ne soit plus abîmée, parce que finir sur un écran comme ça, c'est pas très classe. Ouais, c'est dommage. Moins de points, mais au moins on a l'apparence. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Surtout le nouveau principe, hein. J'améliore encore une fois le let's play. J'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à plus pour la fin de ce championnat. Et la prochaine fois, nous commencerons avec l'Aston Martin. Parce que sinon, on va se faire engueuler par Mimi, ça serait con. Allez, plus tout le monde.